Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Levant les yeux, elles s'aperçoivent que la pierre a été roulée, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Voici l'endroit où on l'avait déposé. Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'avait dit. Der Engel sprach zu ihnen: Erschrecket nicht. Ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Engerul hat es. Nu wolfie fricke. Öl kautat pe Isus din Nazareth cel restignit. A enviat. Nu este aici. Christus, Christos a enviat. Alleluia, alleluia, alleluia. Eye ublona ubena,
Didi Megapomio Yesu Nazareth to Amesi Woklande Atintila Dim Miele Echitre Mele Aficia o Mipo Afici Ochemro Lada Pere Evobueno Eheuese Sonde d'Akpame Nazareth to Yesu Wei Bakam Kamonga Yoyo Enuenu Yawe Efema Efejne Ejone Nadendeba Hiseyo The angel of the Lord said, Don't be afraid. You are looking for Jesus, the Nazarene, the crucified. He is risen, he is not here. Christ is risen. El ángel les dijo, No se espanten. Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Xamna yenangi set Yesu Krista bañu dajoon ci deug deug ma ngeen koy wax koku dekkale kuna nekatul filé Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, joyeuses fêtes de Pâques. Il y a juste trois qui m'ont répondu. Je reprends, peut-être les autres n'ont pas entendu. Joyeuses fêtes de Pâques. Voilà, disons merci à Jésus. Depuis 40 jours, il nous a accompagnés parce que nous avons cherché à le suivre au désert pour qu'avec lui et en lui, nous puissions vaincre notre ennemi premier, le diable qui est venu pour détruire, égorger et faire périr. La plus belle des nuits, la nuit la plus lumineuse des nuits, car des ténèbres du tombeau a jailli la vie. Mort, où est-elle ta victoire? Mort, où est-il ton aiguillon? Le Christ a triomphé sur toi. Et le symbole de cette victoire, de la vie qui jaillit du tombeau, nous l'avons vécu par le feu pascal. Au milieu de l'obscurité de la nuit, une voix s'est fait entendre. Voici l'époux. Et au milieu de la nuit, en ce soir, a jailli la flamme de la vie pour éclairer ceux qui habitent au pays de l'ombre de la mort. Oui, mort, où est-il ton aiguillon? Sur toi, le Christ a triomphé. Ô nuit bienheureuse, toi seul as mérité de connaître le temps et l'heure de la résurrection de notre Seigneur. Hélas, il n'y avait pas de caméra pour filmer. On aurait eu les vidéos et on aurait envoyé des SMS. Mais c'est dans la nuit noire que le Christ est sorti vivant du tombeau. Et les saintes femmes, dans leur grand désir d'accomplir leur projet, d'embaumer le corps de Jésus, qu'elles aimaient tant, voilà que Dieu en a décidé autrement. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Où est-il donc? On peut se poser la question ce soir. Il est où Jésus? Ah, génial, je pense qu'il est dans notre cœur. Il est dans notre cœur pour nous apporter la lumière, pour nous apporter la paix. Lui, le prince de la paix.
Nous avons chanté dans l'exultète tout à l'heure, au début de cette veillée, mère de toutes les veillées, ô nuit bienheureuse, ô vraie nuit glorieuse, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre son Créateur. C'est la nuit par excellence de la foi et de l'espérance. Et la liturgie, à travers ces différents textes que nous avons entendus, nous montre qu'on est dans une nouvelle phase de notre existence. En cette nuit très sainte, comment ne pas être dans la joie et l'action de grâce? Comme dit saint Paul, il m'a aimé, il est mort pour moi. Des sacrifices, de l'holocauste et d'oblation, tu n'en veux pas. Tu m'as fait un corps et je dis, voici, je viens. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Quel homme sublime, quel homme si bon pour chacun d'entre nous, jusqu'à souffrir la passion, l'ignominie, l'humiliation, le rejet et l'abandon. Oui, c'est nos souffrances qu'il portait, frères et sœurs. C'est nos déceptions amoureuses qu'il portait. C'est nos humiliations, nos abaissements qu'il a portés. Et donc, quittons le deuil, quittons les larmes et entrons dans la joie de la victoire de l'amour. J'ai même envie de vous dire, applaudissons le Seigneur, parce qu'une puissance pareille nous est donnée aujourd'hui. Nous ne pouvons plus vivre comme hier. Hier s'en est allé. Un nouveau jour est venu. Et c'est le nouveau jour de l'action de grâce. Avec Marie, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Oui, Pâques, c'est la traversée de la mort pour entrer dans la victoire de la terre promise, la victoire du bonheur avec le ressuscité. Et comme osera dire Tertullien, il disait « la chair et le sang » ne peuvent hériter du royaume de Dieu, comme dit saint Paul. Et qu'est-ce que dit Tertullien? Aie confiance, chair et sang. Grâce au Christ, vous avez acquis une place dans le ciel et dans le royaume de Dieu. Cette chair qui était destinée à la corruption à cause du péché a revêtu l'immortalité par la victoire du ressuscité. Oui, frères et sœurs, nous sommes une nouvelle créature. En sortant de cette église, je souhaite que chacun de vous soit une borne, une fontaine d'amour. Que partout où on va passer, on diffuse la lumière, on diffuse l'amour. Car sans amour, que serait la vie humaine? Une nouvelle dimension s'est ouverte pour l'homme. La création est devenue plus grande et plus vaste que la pierre du tombeau. Ces hommes, par jalousie, ont crucifié le Christ, croyant que tout est fini. Non, ce n'est que le début d'un commencement. Et à leur tête, le démon a tremblé quand la pierre a été roulée et que l'ange est assis dessus. Oui, le Christ donne la lumière en se donnant lui-même, d'où le symbole de ce cierge pascal qui va rester allumé pendant 50 jours. Il va nous procurer un peu de chaleur, un peu de lumière, et il va se fondre. Ainsi est mon souhait pour chacun d'entre nous, que tout ce qui est scorie, tout ce qui est péché, tout ce qui est encore colère ou manque de pardon, puisse être brûlé dès ce soir au feu de l'amour éternel. Qui est près de moi est près du feu, exprime une parole de Jésus transmise par Origène. Et ce feu en même temps est chaleur, non une lumière froide, mais une lumière dans laquelle se rencontrent la chaleur et la bonté de Dieu. En cette nuit très sainte, frères et sœurs, en pensant encore à cette traversée de la mer Rouge, quelle était la joie des Hébreux? Enfin, ils ont quitté le joug de Pharaon. Ils sont dans le désert, en attendant d'arriver dans cette terre où coule le lait et le miel. Pourquoi ne pas nous réjouir avec nos frères et sœurs
qui vont recevoir le baptême ce soir et les jours à venir. Pourquoi ne pas se réjouir en pensant qu'un tel rédempteur nous est donné? Felix culpa, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Non pas comme nos pères qui voulaient retourner en Égypte, mais allons vers la terre promise qui est désormais le cœur du Père, qui est ouvert depuis que la lance a ouvert le cœur de Jésus. Oui, frères et sœurs, demandons la grâce de quitter nos colères, de quitter nos injustices, de quitter nos manques de pardon, pour pardonner avec le Christ, pour aimer avec le Christ. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous régnons avec lui, nous pouvons introduire notre humanité dans la gloire du Père. Seigneur Jésus, tu nous as tellement aimés que tu ne pouvais pas rester dans le tombeau. Tu es venu à la rencontre de ces femmes qui, désolées de ne pouvoir pas embaumer ton corps, tu leur demandes de dire aux apôtres, « Je vous précède en Galilée. » Ô doux Jésus, victorieux de la mort, nous t'attendons dans la Galilée de notre existence avec Marie ta mère, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.